Hey, mais t'as écrit Berriot ? Mais c'est quoi un Berriot au fait ? Un Berriot, c'est quoi ? C'est un putain de sanglier qui nous trompait sur l'orthographe de Berriot et qui fait n'importe quoi sur les styles. Oh, un Berriot, c'est quoi ? C'est un mec qui se balargue, non ? Bon, un Berriot, pour moi, c'est le mec qui prend ses pots, il monte en haut d'une belle face et il tire 3-4 belles courbes pour aller jusqu'en bas. Ça, c'est un Berriot. Un Berriot, c'est un mec qui crapaille en montagne à main nue. T'as pas me prévenir qu'on allait faire de la cascade de glace. Mais qui comprend rien à ce qu'il fait. Les Berriots, c'est le ski, mais tout ce qui va avec. Les randos, les bivouacs et les bons casse-croûtes entre copains. Et moi, je vais aller chercher de quoi faire les sandwichs à la truite fumée pour cet hiver. Ouais, ma oui. Pour moi, un Berriot, c'est un mec qui est dans son élément en montagne et qui transmet sa passion. Je me demande s'il y a quelqu'un de plus heureux que moi sur Terre, là, maintenant. Et pour toi, c'est quoi un Berriot ? Bah, c'est vrai que c'est un petit peu tout ça. Regarde, on est en montagne, il fait beau, on profite. Non, mais parce qu'à la base, Berriot, ça veut juste dire caillou en patois. Hein. Après avoir fini de philosopher, on est parti en montagne pour créer Berriot. Notre web-série devait montrer du bon ski, mais avec les conditions de neige de ce début de saison, autant dire que c'était pas gagné d'avance. Chaussettes sont passées des genoux à la main au malléole là. C'était pas la folie de se faire chablater dans tous les sens. Alors on a changé de plan, on va aller chercher de la pente. Hop, petit couloir très beau. Et il y a du gaz. Wouh, c'est parti mon kiki. Plus l'hiver avançait, plus on découvrait les différents panels de neige pourrie. C'est le béton. Sans neige, le terrain de jeu était beaucoup trop beau pour rester dedans. Alors on a ressorti les patins à glace. Mais je pense là c'est dégueu et après là-bas c'est bon. Et après là-bas je pense qu'il y a deux virages de bon et après c'est dégueu. Je fasse la coller parce qu'en dessous il y a des barres. Pas trompé et on passait des bons moments avec des belles lignes en montagne. Avec l'habitude, ça commençait presque à devenir sympa de skier de la côte. Finalement, la neige s'est pointée et Berriot s'est aussi appelé les copains pour tourner entre les arbres à toute berzingue. We'll be right back.
Mister trouve tout là. Tu cherches et moi je sors l'appel. Voilà, si on retrouve la GoPro. Non, hold up. Ah Et parfois, même en Berrio, ça réfléchit. On va souffler nord, t'as vu? Tout nord. Ça, c'est une belle indication. Hop, et là, ça a soufflé sud, c'est bon. On est en sécurité, on peut y aller. Du coup, aujourd'hui, on va faire quoi? Des bougnettes. Uno. Mais on n'a pas de Uno. Alors, on va trouver un autre jeu. Eh ouais, bon, on va faire soft, c'est dur, hein. C'est dur de se dire là on va faire demi-tour alors que c'est magnifique. Et puis voilà, on va s'amuser quand même. Mais bon, on a mis que les belles images là. On a une bonne équipe de Berrio, hein, c'est pas toujours tout rose. Le ski, c'est pas toujours des bonnes conditions, des belles passes, hein. Je sais pas, faut savoir s'adapter, attention, virage. Mais comme une bonne chute de neige du 21e siècle. Je crois que là, c'est le moment de rentrer. C'est de la neige chaude. On est le 9 janvier, moi le plus froid de l'année. On est à 2287 mètres, 11h56, 13 degrés. Tout va bien. Je pense que l'isotherme il doit être à 3000-3005. Comme un bon fin avril quoi. Ah yes, ça commence à être dans le brouillard. J'avais peur qu'on ait de la visibilité. Berrio, c'est avant tout du mauvais ski et de la bonne humeur. Et beaucoup de vent. On fout, moi je suis content. Et malgré toutes ces péripéties, on voulait surtout que Berrio ce soit du freeride. Compliqué et un hiver écourté. C'est à travers cette saison bien particulière qu'est né Berrio. En fait, pour faire simple, en Berrio, c'est juste un passionné qui profite des conditions du moment pour glisser en montagne. D'ailleurs, pour la saison 2, on prévoit de partir là-haut à la recherche d'aventures et de grands espaces. Facile. Printemps 2020, les conditions en haute altitude sont là. Alors on décide de partir skier quelques 4000 en Suisse. Bienvenue dans notre camp.
de retour au camp. Regardez ce qui nous attend demain. Vive la vie, vive le bonheur, pour l'abondance. Réaliser normalement si on n'est pas trop mauvais là. C'est beau. Je suis oxy. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas chié comme ça. Hein. Peut-être demain quand même pour savoir si c'était une bonne idée ou si c'était complètement de la merde.